24 façons de se créer une activité en ligne pour se générer des revenus. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le business internet numéro 14. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de cette série. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller voir la playlist business internet. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le business internet numéro 14 qui va finalement regrouper un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui et qui est l'email marketing. Alors on entend souvent dire que l'email marketing est mort, sauf que en fait c'est le seul business que quiconque possède réellement, puisque les emails, tous les contacts que vous allez avoir vous appartiennent. A contrario, tout ce qui va être réseaux sociaux, chaîne YouTube, profil Facebook, profil Instagram, Twitter, etc., peut être fermé du jour au lendemain. C'est arrivé à certaines personnes. J'ai moi-même fait les frais de ce genre de choses. J'ai un profil Facebook qui a été fermé du jour au lendemain et je n'ai jamais pu le récupérer. Il m'a fallu tout recommencer de zéro. Heureusement, j'avais mis une stratégie d'email marketing en place et du coup, sur mon compte Systemio, puisque c'est le logiciel que j'utilise, pour mon email marketing notamment, j'avais encore tous mes contacts, donc je pouvais continuer finalement de proposer mes offres, notamment en affiliation. Donc l'email marketing va concerner absolument tout le monde. Ça va être une stratégie, on l'a vu dans les vidéos précédentes à chaque fois, très 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 importante. On a vu la stratégie de créer une page de capture où que vous soyez sur n'importe quel réseau social, finalement que vous ayez un blog de niche, comme on a vu également dans les vidéos précédentes, que vous ayez un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Pinterest ou autre, l'objectif va être de récupérer un maximum d'emails qualifiés. Et donc pour cela, de créer une page de capture et de mettre vos liens en bio par exemple notamment, et de proposer donc un lead magnet cadeau gratuit pour recevoir un email qui va être en cohérence avec l'offre que vous allez proposer bien évidemment par la suite. Comment on fait ça? On l'a déjà vu, on crée une page de capture pour récupérer des emails, on propose un cadeau gratuit en échange d'un email, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir ensuite proposer ses services, ses produits en affiliation ou autre, et relancer par email. Et l'avantage de la base email, c'est qu'elle vous appartient totalement. Donc pour qui est cette stratégie d'email marketing? Elle est pour absolument tout le monde. C'est vraiment les fondations d'une entreprise qui fonctionne, c'est d'avoir des emails, une base email absolument. Donc que vous fassiez de l'affiliation, que vous soyez formateur, coach, youtubeur, freelance, blogueur ou autre, il vous faut absolument mettre une stratégie d'email marketing en place. Pourquoi ? Déjà tout simplement parce que toutes les personnes qui vont passer sur votre site, sur votre réseau social, vont faire que passer si vous ne proposez rien, et vous allez peut-être les perdre à tout jamais. Notamment pour les blogs, c'est souvent le cas. Ceux qui ne proposent aucune stratégie de capture d'email, ont des visiteurs, certes, mais ne peuvent pas forcément les relancer par la suite. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour mettre en place ceci? Un auto-répondeur. Réaliser donc une page de capture et proposer un cadeau gratuit, et ensuite automatiser le tout grâce notamment donc au logiciel que je préconise pour ma part, puisque c'est celui que j'utilise, qui est donc Systemio. Donc pour créer vos pages de capture, gérer vos emails notamment en automatique, on peut automatiser absolument tout ce qu'on souhaite. Vous pouvez donc vous inscrire gratuitement au premier plan de Systemio, vous n'hésitez pas. Et si vous passez par le lien en description, vous recevez 4 formations offertes pour maîtriser correctement Systemio, le paramétrer également, et 2 formations bonus offertes. L'email marketing va être utilisé dans absolument plein de domaines. Donc on a parlé du blog, mais également les youtubeurs style Antoine BM par exemple proposent
une inscription à sa newsletter où il va envoyer un email par jour et il vend uniquement en email marketing, donc à travers les mails envoyés à sa base email tout simplement. Donc c'est quelque chose de très puissant que beaucoup de youtubeurs utilisent notamment. On a également la chaîne du Grenier de l'Écho qui du coup lui propose une lettre stratégique payante où les personnes vont s'inscrire donc sur la lettre stratégique payante, donc c'est un forfait à l'année pour recevoir les lettres donc de cette chaîne. Il y a plein de chaînes qui fonctionnent de cette manière, je vous les montre pas toutes évidemment. Mais c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Je vous ai trouvé comme d'habitude une formation qui pour moi est vraiment très très intéressante. C'est la méthode donc LM7 où vous allez découvrir tout le système pour mettre en place tout cela de façon totalement pas à pas en mode tuto et un peu tous les hacks à connaître finalement pour attirer du trafic sur ces emails et savoir les rédiger correctement. Cette formation a été suivie par des grands du business en ligne, on va dire, qu'on va découvrir tout de suite. D'ailleurs, la méthode LM7 a été appliquée par trois autres cadors du business en ligne francophone. Et voilà ce qu'ils en disent. Pierre-Elliott Lallemand. J'utilise la méthode LM7 tous les mois et ça a été une explosion de chiffre d'affaires pour mon entreprise. Damien Menu, l'affilié numéro 1 sur System.io. Il y a quelques mois, Roman m'a coaché. On a revu la stratégie de mon business en ligne et en particulier ma manière de faire des lancements de produits. Clairement, sa méthode a fait grimper le nombre de mes ventes. En particulier avec sa stratégie d'emailing LM7 qui est clairement surpuissante. Alexandre Dinomé, infopreneur et youtubeur. La méthode LM7 a été le dynamiteur de mon succès en ligne. Donc voilà, je ne vous montre pas toute la vidéo, vous pouvez aller la découvrir avec le lien en description, donc n'hésitez pas. Donc je vous montre un petit peu les coulisses de la formation donc de Roman, qui va nous expliquer donc pourquoi l'emailing, comment récupérer des emails, comment envoyer des emails, notamment grâce à System.io qu'il utilise également, que tous ces infopreneurs qu'on a vus juste avant utilisent également. Donc la fréquence d'envoi, la fréquence de vente, le mail contenu pur, le mail hybride, le mail de vente, comment faire ouvrir sa liste email, comment faire cliquer sa liste email, comment ne plus finir en spam ou en promotion, la méthode LM7+. Vous avez ici un exemple d'email et qui sont offerts donc par Roman de Ecomfriend Touch également. L'analyse LM7, comment vendre par email, les leviers psychologiques. Analyse de nos trois meilleurs, de leurs trois meilleurs emails, dont un email qui leur a rapporté 17 000 euros en une journée. Donc vous allez découvrir ça également. Analyse de très bons mails concurrents. On voit aussi l'analyse de mauvais emails en deux vidéos. La fabrique à mail B2C. Les différents moyens de capture. Comment rendre irrésistible une inscription avec les différents angles d'approche. La méthode pour attirer uniquement des acheteurs. Créer une page de capture rapidement. Et en bonus, ou capturer des emails. Donc cette formation, elle m'a vraiment été utile, moi, pour comprendre ce qu'était l'email marketing. Donc je vous invite, si vous ne savez pas, eh bien, finalement, comment créer des emails, à quelle fréquence les envoyer, quoi écrire dedans, comment vendre par email, eh bien, je vous invite à aller jeter un œil à cette formation parce qu'elle est vraiment utile pour mettre en place, finalement, eh bien, tout le système automatique, finalement, comme je vous le disais, que l'on soit coach, thérapeute, infopreneur, youtubeur, blogueur ou autre, on va avoir besoin d'une stratégie d'email marketing. Donc le business en ligne de l'email marketing va servir à absolument tous les business en ligne qu'on a vus précédemment, quel que soit notre réseau social et quelle que soit notre activité. Donc je tenais à vous présenter le business model de l'email marketing qui est finalement le fondement, eh bien, de tous les business qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui.
Dans les prochains jours, on verra plus en détail le trafic, comme je vous avais promis en début de cette série de vidéos. On verra en détail tous les réseaux sociaux un par un pour savoir comment se servir de chaque plateforme selon le réseau social que vous choisissez pour mettre en avant votre activité professionnelle en ligne. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ce contenu vous a été utile, ça fait toujours plaisir. Merci de me dire en commentaire eh bien, si vous servez également vous-même de l'email marketing ou si vous souhaitez eh bien, le mettre en place et que vous trouvez que c'est effectivement quelque chose de véritablement important à mettre en place. Et en attendant, je vous dis à demain pour la suite de cette série vidéo.